Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir un petit peu le travail du songo. C'est un exercice qui, quand on le voit sur notre partition, peut paraître pas très compliqué, et pourtant en mettre en œuvre, il est vraiment pas évident du tout. Donc une fois de plus, pour notre batterie, il va falloir de la patience, apprendre à travailler lentement, poser les coups les uns derrière les autres, ne pas essayer d'enchaîner toute la mesure d'un coup, mais bien faire morceau par morceau afin de pouvoir jouer correctement ce songo. Voilà. Ce n'est pas ici un exercice d'indépendance comme on a pu le voir par exemple dans d'autres musiques latines, comme par exemple la samba, où on avait un pied particulier pendant qu'on faisait encore autre chose dessus. Mais là par contre, c'est plus un exercice de coordination, c'est-à-dire de gestes qui vont s'enchaîner les uns derrière les autres, comme on a pu le voir aussi sur une précédente vidéo de coordination. Sauf que là, c'est pas pour mettre en œuvre un gros solo de batterie, mais vraiment pour faire une rythmique qui s'appelle donc le songo. Voilà. Donc on va commencer nous tranquillement par notre premier schéma ici, donc sur notre partition. Alors j'ai écrit ici, vous voyez, une petite croix avec un rond autour qui signifie qu'en fait on doit ouvrir le charlet. On peut dans un premier temps ne pas ouvrir le charlet pour s'entraîner. Donc 1, 2, 3, 4, systématiquement sur les 1, eh bien je vais trouver cette croix-là. Ça peut être donc un charlet, ça peut être le dôme de la ride, ça peut être aussi, pourquoi pas, voilà, une cloche. Voilà. Donc nous, pour commencer, on va faire ça au charlet. On va commencer, donc on joue sur le 1, notre charlet. Sur le 2, il ne se passe rien. Sur le 3, j'aurai une caisse claire accentuée. Voilà. Et en 4, j'aurai une grosse caisse. Donc je vais compter ça comme ça. 1, chute, 3, 4. 1, chute, 3, 4. C'est-à-dire droite, chute, gauche, pied. Droite, chute, gauche, pied. Puis je vais m'entraîner à aller de ce 1 vers cet autre 1, c'est-à-dire du premier temps au deuxième temps. 1, chute, 3, 4, 1. 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 Si j'ouvre maintenant mon charlet, ça va faire 1, chute, 4, 1. 1, chute, 4, 1. Donc je vais les compter comme ça. 1, 3, 4, 1. 1, 3, 4, 1. Je fais durer à la voix mon 1. Parce que je compte la voix haute, vous devez le faire à voix haute aussi. Sinon, ça ne va pas rentrer. On compte vraiment bien à voix haute. 1, 3, 4, 1. 1, 3, 4, 1. Ok, je le fais plein de fois, comme ça, lentement. Une fois que je vois que j'arrive un petit peu à le tenir, eh bien, je vais essayer d'aller faire mon groupe du deuxième temps. 1, 2, 3, 4. 1, charlet. 2, caisse claire jouée piano. 3, grosse caisse. Et enfin, 4, une caisse claire accentuée. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vais maintenant m'entraîner à faire mon deuxième temps jusqu'au début du troisième temps. Donc du 1 jusqu'au 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Ok ? Maintenant, je vais donc faire mon premier temps et mon deuxième temps. Donc, je pars de ce 1 jusqu'au 1 du troisième temps, c'est-à-dire 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ou 1, chute, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Et évidemment, moins vite si on en a besoin aussi. Voilà. Évidemment, le métronome, il va bien nous aider. Hein. On peut le mettre derrière en débit de double croche. 1, chute, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà. Quand je suis en cours avec vous, le métronome, c'est moi, puisque je compte souvent à côté de vous. Par contre, quand vous êtes seul à la maison, vous devez compter à voix haute. Dans un premier temps, sans métronome, pour essayer de bien enchaîner toutes les notes. Puis ensuite, on va régler notre métronome, on va dire à peu près à 30 à la noire, en demandant à notre métronome de jouer des doubles croches. Ok ? Pour travailler progressivement, lentement.
Donc je vais faire cet enchaînement du premier temps jusqu'au troisième temps. 3, je vais compter 4 notes et on y va. 1, 2, 3, 4. 1, chute, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, chute, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, en essayant d'ouvrir mon charlet sur le 1. Une fois que j'ai ça, que je suis bien, je vais essayer de le boucler. Autrement dit, je pars de ce 1, je joue mon 1, chute, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et je reviens au début. Et je fais ça en boucle. Et déjà, vous allez voir que sur deux temps de notre mesure, on obtient déjà une belle rythmique de son groupe, rien qu'en ayant travaillé que les deux premiers temps. 1, chute, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, chute, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, chute, 3, 4. Continue d'avancer. Ok, on a bien le premier, deuxième temps. On va travailler pour le moment que le troisième temps. 1, 2, 3, 4, plus la première note du quatrième temps sur laquelle on peut le voir ici. On va avoir notre cloche, notre charlet ou notre ride, plus une caisse claire. Jouer piano. Il n'y a plus d'accent ici, c'est fini. Donc, 1, 2, 3, 4, 1. Charlet, caisse claire, caisse claire, grosse caisse. Charlet, caisse claire, mais posé, pas fort. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ok, je l'ai bien. Allez, je vais regarder donc que le quatrième temps. 1, 2, 3, 4, et je m'entraîne au retour au début. Charlet, caisse claire et caisse claire sur 2, grosse caisse sur 3, caisse claire sur 4 et je suis revenu au début. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Je refais machine arrière, je vais travailler du troisième temps. Charlet, caisse claire, grosse caisse. Charlet, caisse claire, grosse caisse claire. Et je reviens au début. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais essayer de tourner sur ces deux temps-là, du troisième, troisième et quatrième. Donc quand j'arrive sur la quatrième double croche du quatrième temps, je reviens sur la première double du troisième temps. Charlet, caisse claire, grosse caisse. Charlet, caisse claire, grosse caisse, caisse claire, et je reviens. Un petit peu tout, on va essayer maintenant sans être trop gourmand aussi, pareil hein. On va partir de ce 1, on va jouer toute notre mesure et on reviendra au 1 de début et c'est tout, on va pas plus loin, ne cherchez pas à tout faire d'un coup, vous allez vous décourager. Donc on y va tranquille, allez on part, je compte 4 et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 1, chute, 3, 4, 1, 2,
Déjà, si on le passe comme ça, c'est bien. Et on le refait. 1, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ok, je t'entaille pareil, pareil. 1, 2, 3, 4, 1. Maintenant, on va essayer d'en faire deux. Hein, deux passages complets. Hop, je reviens au début et je le refais une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 1, 3. Etc, etc. Et puis on va le monter. On peut essayer un peu une autre cloche. Avec notre ride. On revient dans notre charlet. Voilà un petit peu pour notre sango. Après, évidemment, vous prenez le métronome et vous pouvez monter ça à des vitesses faramineuses. Mais surtout, prenez le temps. Cet exercice, il peut vous prendre une bonne heure hein, de travail. Hein. Tranquillement. Hein. Voilà, faites temps par temps. C'est-à-dire, on commence par le 1, 2, 3, 4, ensuite le 1, 2, 3, 4 tout seul. Lorsqu'on travaille une cellule rythmique, c'est-à-dire, par exemple, de ce 1, on ne fait pas que 1, 2, 3, 4, on essaie de faire 1, 2, 3, 4, 1. On va quand même jusqu'au 1 d'après, de manière à ne pas être sur une note en l'air, mais à savoir ce qui va nous arriver après. Donc, on fait toujours jusqu'à la première note du temps d'après. Petit à petit, par cellule, on fait tourner les cellules en boucle jusqu'à qu'on ait la mesure complète. Et ensuite, eh bien, je ne vous cache pas qu'il va falloir faire ça longtemps, 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 longtemps pour l'avoir vraiment bien en mouvement. Eh bien, je n'ai plus qu'à vous dire, comme d'habitude, à vos baguettes et à très bientôt. Ciao !